Bonjour et bienvenue à tous, vous chers auditeurs et auditrices de la Web TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un troisième volet du JTBO. Et aujourd'hui, nous allons parler de la saison sportive avec Léna. Puis, Marie-Wen nous parlera orientation avec Parcoursup, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus, accueillons sans plus tarder Léna. Bonjour Léna. Bonjour Anaïs et bonjour chers auditeurs et auditrices du JTBO. Que peux-tu nous dire à propos de l'actualité sportive? Je vais vous faire un petit récapitulatif de l'actualité sportive des dernières semaines, en espérant ne rien oublier. On te fait confiance. Alors, côté foot, il y a quelques semaines, les garçons de la section foot du lycée ont joué un match contre la section football du lycée du collège Marie Curie, qui s'est soldé par une victoire de nos lycéens. Super. Mais il y a du nouveau en athlétisme, non? Tout à fait. L'actualité a été plutôt chargée. Tout d'abord, plusieurs de nos élèves ont participé au championnat académique indoor mercredi 1er décembre. D'ailleurs, ils ont fait de superbes prestations et le lancer de poids et la vitesse se sont notamment qualifiés pour les championnats de France. Enfin, mercredi 8 décembre, plusieurs élèves... Enfin, mercredi 8 décembre, plusieurs élèves, dont votre humble serviteuse, ont participé au cross académique à Aulnay-sous-Bois. Malheureusement, nous ne passons pas la prochaine étape, mais c'était tout de même une très belle expérience. À cette occasion, j'ai interviewé certains coureurs et Monsieur Creusot qui a donné de sa personne pour nous encourager, comme vous allez le voir. Ça m'intrigue. Allons voir cela. Bonjour, c'est Léna de la Web Radio et aujourd'hui je suis avec Oclyde, Lucie et Camille pour vous faire un compte-rendu du cross. Donc je vais vous demander ce que vous en avez pensé du cross, quels ont été vos objectifs et qu'est-ce que vous avez fait au cross. Ok. Du coup, mon objectif c'était déjà de finir le cross et de garder à peu près le même rythme pendant toute la course. Après, je trouve que c'était dommage parce qu'on a couru que avec les gens du lycée et du coup, il n'y avait pas, comment dire, il n'y avait pas l'esprit de compétition avec les autres lycées et tout. Du coup, je pense qu'on a moins bien couru qu'en temps normal. Moi, c'était mon deuxième cross depuis longtemps vu que je ne courais plus. Et je suis assez contente parce que même sans courir, j'ai fait un effort et les profs, ils sont contents de ce que j'ai fait. Donc, c'était sympa. Bonjour, alors maintenant je suis avec Monsieur Creusot et il va nous expliquer ce qui s'est passé au cross. Bonjour Léna, et écoutez, ce beau mercredi c'était le cross académique ici à Aulnay-sous-Bois. Et donc on a réussi à amener deux équipes de lycéens et de lycéennes pour pouvoir faire les meilleures performances possibles aujourd'hui. Voilà. Et il s'est passé quoi pour vous du coup? Pour moi, il s'est passé une petite mésaventure. Quand j'ai été vous encourager, j'ai un peu glissé sur le côté. Et donc, le cross, ça peut être aussi dangereux pour les profs. Mais bon, c'était un plaisir d'être là avant tout. Et on retiendra une la petite anecdote pour rigoler. Merci beaucoup. Ah oui, en effet. Il va falloir que Monsieur Creusot travaille mieux ses appuis. Merci à toi pour ce reportage qui en appellera de nombreux autres pour informer l'ensemble du lycée des résultats de nos sportifs. Au revoir. Au revoir. Passons à présent au sujet qui donne des sueurs froides de nombreux élèves, l'orientation. Pour cela, accueillons Marie-Wen qui pourra peut-être rassurer nos abonnés. Bonjour Marie-Wen. Bonjour Anaïs, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Super. Éclaire-nous sur les projets d'orientation. Bien sûr. Alors, avec la réforme du lycée, l'orientation est déjà à l'ordre du jour pour les premières et les secondes qui doivent réfléchir sérieusement à leurs futurs vœux. De ce fait, aujourd'hui, la Web TV est aux côtés de Monsieur Lardet, professeur de SVT, en plein préparatif pour sa conférence afin qu'il puisse nous parler de l'association Chemin d'Avenir. Écoutons alors Monsieur Lardet pour mieux connaître son projet. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Lardet pour parler de sa conférence Nos chemins d'avenir. Bonjour Monsieur Lardet. Bonjour à tous. Alors, en quoi consiste cette conférence et d'où vous est venue l'idée de la faire venir au sein du lycée Thibault de Champagne? Alors en fait, on est parti d'un constat, c'est que nos élèves, et quand je dis nos, c'est les élèves de ce qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire des milieux plutôt ruraux comme nous à Provins,
de bénéficier pas forcément de toutes les mêmes chances que les élèves de milieu urbain en ce qui concerne l'information sur les différentes écoles qui existent, la mobilité. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui souffrent de ce qu'on appelle de l'autocensure, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « non, je ne vais pas aller dans cette école-là, c'est trop loin » ou « c'est pas pour moi » ou tout simplement « ils ne connaissent pas ». Et en fait, cette association, que moi je connais à titre personnel, répond exactement à ces besoins. Et donc, j'en ai parlé en réunion de direction, en soumettant l'idée qu'on pouvait peut-être en parler aux élèves pour qu'ils puissent connaître et éventuellement s'y inscrire. Voilà comment c'est parti. Et est-ce que tout le monde peut participer à Chemin d'Avenir ? Alors, normalement, c'est réservé donc des collégiens jusqu'à Bac plus 3. Donc, nous, on s'est intéressé surtout aux élèves de seconde et de première de toutes les sections, puisque pour les élèves de terminale, le temps que les dispositifs se mettent en place, ce serait quasiment la fin d'année, donc ce serait trop tard. Mais ceux qui s'y inscriraient éventuellement pourraient continuer, y compris en terminale. Le conseillerez-vous vivement aux élèves de seconde et de première ? Alors, je pense que c'est une ressource qui peut être très profitable, puisqu'en fait, cette association se propose d'aider en fait les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation, notamment en leur attribuant ce qu'on appelle un parrain ou une marraine, qui va être plutôt dans la branche d'activité qui les intéresse. Et comme ça, petit à petit, ils vont pouvoir partager leurs expériences, répondre aux questions, leur donner des exemples de stages ou des adresses. Bref, tout un tas d'opportunités qu'ils n'auraient pas forcément eues, justement, en étant un peu éloignés en milieu rural. Donc, je pense que si on est prêt à s'investir pour son avenir, et j'imagine que c'est le cas de tous les élèves, je pense qu'il ne faut pas hésiter à sauter le pas. Ça peut vraiment être un plus pour sa vie à la fois professionnelle, mais aussi personnelle, puisqu'il y a des ateliers plus culturels, même d'informatique, et ce qui fait qu'on peut tirer profit à tous les niveaux, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Lardy. Avec plaisir. À vous, Anaïs. Merci à toi, Marie-Wynne, pour ce reportage, qui apportera, j'espère, de nombreux éclaircissements à nos secondes et nos premières. Mais on parlait de Parcoursup tout à l'heure. En effet, pour les terminales, Parcoursup arrive à grands pas. Avec l'ouverture du site d'information, qui s'est déjà fait depuis quelques semaines, on peut d'ores et déjà prendre connaissance de toutes les formations disponibles sur Parcoursup. Ensuite, le 20 janvier, ce sera au tour de l'ouverture des inscriptions avec les formulations de vœux, qui prendra fin le 29 mars. Oui, et ensuite, il faudra compléter le dossier administratif. Mais tout ça va arriver très vite. Tout à fait. C'est pourquoi il est primordial de préparer ses vœux à l'avance afin de ne pas être pris de court à l'heure du choix. N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Madame Bresson, notre psychologue éducation nationale, afin d'être aidée dans vos démarches. Merci à toi. Nous en savons plus sur ce qui nous attend. Et prenez bien rendez-vous avec Madame Bresson au secrétariat des élèves au bâtiment administratif. Notre émission touche à sa fin. Nous espérons que vous serez nombreux à regarder notre vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre notre équipe pour faire plus de projets. Et à bientôt sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Bye bye!